vidéo rapide sur Koenigsegg, donc ici la Reggera. Donc une nouvelle livrée pour la Reggera qui avait été présentée l'année dernière. Toujours c'est le Candy Red, Candy Apple Red, la peinture, avec carbone au milieu, petite ligne dans l'alignement de l'essuie-glace. Toujours des portes qui s'ouvrent avec ce mécanisme totalement non conventionnel. Des roues en fibre de carbone. Un intérieur assez sympa, mais je sais pas si vous voyez la taille des seuils de porte, enfin la largeur du châssis quoi. Reggera avec toute l'aéro active contre la Reggera. Monsieur Christian von Koenigsegg qui est en train d'expliquer les détails de sa voiture, de son chef-d'œuvre en fait. Koenigsegg, j'ai un peu l'impression que c'est le Pagani suédois, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même tout ce qu'il fait c'est assez beau. Et donc on a un V8 5 litres qui doit être turbo plus compresseur. Échappement à Krapovic en bas. L'aileron monte, descend, tout s'ouvre avec la clé, on peut contrôler, c'est incroyable. Donc 1500 chevaux, une boîte de vitesse avec une seule vitesse, c'est la Reggera. Donc ici la Koenigsegg Agera RS Griffon. Donc elle a été commandée par un riche collectionneur américain qui s'appelle Manny Cochbin, pour ceux qui connaissent. Donc elle est toute en carbone avec des détails dorés partout. Alors quand je dis doré, c'est pas doré avec de la peinture dorée, c'est de la feuille d'or ou de l'or, la clé, tout ça. Donc là c'est des détails, c'est vraiment de l'or. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait le casque qui va avec, qui est posé dessus. Et alors les Agera, oui les Agera, pour ceux qui ne savent pas, le toit on peut l'enlever, donc c'est des roadsters. Et donc tout ça, l'échappement, le tour, l'aileron, c'est couvert d'or, donc ça a dû quand même coûter un bras, voire plus qu'un bras hein, d'ailleurs. Voilà, magnifique. Et à côté, deuxième Reggera, cette fois-ci elle est en carbone vert. V8 biturbo avec 1500 chevaux combinés parce que c'est un moteur V8 plus 800 chevaux électriques. Donc voilà, le carbone vert, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez spécial. C'est assez spécial mais pas vilain, moi j'aime bien. Évidemment tout est en carbone jusqu'aux roues. Et donc ça et l'autre Reggera, ce sont pas des nouveaux modèles mais ce sont les premiers modèles qui vont être livrés aux clients. Et alors derrière on aperçoit le cœur de la bête, le moteur. Donc sous le carbone là il y a le moteur, le V8, et derrière on voit les batteries du moteur électrique. C'est incroyable. Waouh. Tout est en carbone, tout est magnifique. Voilà, donc je vous parlais de la Reggera qui a une seule vitesse, et en fait, donc c'est ça, c'est ce qu'ils appellent le Koenigsegg Direct Drive System. Le moteur va direct, la puissance pardon, va directement du moteur aux roues à travers une seule vitesse. Évidemment, bas dans les tours, c'est là où ça manquerait d'accélération, mais c'est là où les 800 chevaux du moteur électrique vont compenser évidemment pour l'accélération. Donc on voit l'échappement à Krapovic en titane, absolument magnifique. Donc si on réfléchit bien, 800 chevaux électriques, c'est un peu plus, c'est 100 chevaux de plus que ce qu'on retrouve dans une Tesla qui fait plus de 2 tonnes et qui fait 0 à 100 en 2 secondes 3. Donc imaginez ça, plus un moteur de 800 chevaux essence dans une voiture qui fait la moitié du poids de la Tesla. C'est 0 à 400 km/h en moins de 20 secondes. Bon, cette fois-ci, on voit la Reggera mais fermée. Je la trouve vraiment belle, hein. C'est vraiment une belle évolution, je trouve, de la Agera. C'est marrant, hein, les jantes en carbone avec l'intérieur en or, c'est peut-être un peu too much. Le carbone vert, j'adore. Elle est vraiment très belle. C'est une belle évolution, je trouve, de la Agera, comme je viens de le dire. Ça, c'est un peu la voiture qu'on va trouver sur les posters d'enfants, on dirait. Enfin, c'est un petit peu... C'est pas exactement ce que je veux dire, mais on dirait un petit peu qu'elle a été dessinée par un enfant comme un jouet, quoi. C'est le rêve d'un enfant. Celle-ci, je trouve, un vrai design élégant, des hanches magnifiques, et on a toujours les deux montants, là, je ne sais pas comment dire, qui est un peu la signature stylistique de Koenigsegg. Et l'avant est superbe aussi.